Phoenixes turn to bat. Dire team battle. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ça va bien, on va enfin pouvoir aller voir un petit peu des matchs du côté de nos amis les Asiatiques, on va dire, puisqu'on a quand même beaucoup plus le regard dirigé sur la scène occidentale, et eux aussi ont eu le droit à un petit peu de reshuffle, un petit peu de nouveauté, et eux aussi doivent se préparer pour le prochain Major et le TI, puisqu'on le rappelle, les line-ups sont maintenant lock pour le prochain Major, ainsi que pour The International. MVP Phoenix, les Coréens, pour eux, bah, ça a été très simple, ils ont dit on va juste pas changer. Line-up, c'est tout. On reste comme ça, on est une équipe qui fonctionne sous cette forme-là. Vici Gaming Reborn, donc Vici Gaming, il fait comme c'est monnaie courante au final dans les écoles asiatiques. Et eh bien, il y a les squads, donc beaucoup d'équipes qui jouent sous le nom et sous le tag de la structure. Vici Gaming Reborn est donc une des squads de Vici Gaming. C'est là où vous allez y reconnaître quelques pseudos. FYDDC, ça devrait vous dire quelque chose. End, c'est ZYF, ça voudrait vous dire quelque chose aussi. Mikasa et Yang, peut-être un petit peu moins. Mais quand même, c'est quand même pas des random noms non plus. Donc on va voir ce que vaut ces petits Vici Gaming Reborn qui eux sont sortis grands gagnants du qualifier pour ce Star Ladder asiatique qui était sous forme d'un tournoi qui s'appelait la H Cup. C'est ça. Voilà, voilà. Mikasa, c'est pas le joueur officiel de la line-up de Vici Gaming Reborn, c'est leur coach en fait, leur joueur de mid officiel qui est Nono, si j'ai pas de bêtises, en fait, ouais. A eu a priori des problèmes de visa et donc n'a pas pu mettre les pied dans le copain communiste qu'est la Russie. Yep. Tout à fait. Alors, au niveau des bans, est-ce qu'on a un truc étonnant qui arrive? Le Sven, le BM qui sont enlevés, le Bounty l'ensemble de l'autre côté, ça laisse la place à masse héros que les gens adorent. Bonjour, je sais pas, Invoker, OD, Whisper, Spirit, plein de trucs du genre. Et en voilà quelques-uns. On aura Nature's Prophet et OD dans les mains de MVP, Earth Spirit et Giro du côté Vici Gaming Reborn. Donc en début de draft, pas très surprenant de la part de Vici Gaming Reborn, juste le Giro qui arrive tôt comme ça, mais bon, c'est un pic de confort, il n'y a rien à dire, c'est toujours le position 1 le plus confortable pour tous les carrés depuis quelques années. Du côté de MVP, on récupère le Nature's Prophet qui lui va être joué par Forev, et on se retrouve avec un OD qui, alors lui, il est généralement plutôt joué sur MP en safe lane, mais on a aussi vu, il me semble avoir vu en tout cas un OD QO et une fois MP mid avec son OD aussi, donc on sait pas trop où il va finir pour le moment cet OD. On verra. Bon, en tout cas, il est passable dans les deux positions, on verra bien ce que ça va donner. Au niveau des bans, est-ce qu'il y a des bans intéressants d'un côté comme de l'autre? Est-ce que tu veux partir sur des choses genre ban Nyx, des choses comme ça contre l'OD, ou est-ce qu'au final c'est pas tant un contre que ça et qu'on essaie plutôt de trouver d'autres solutions, toi tu trouves ces derniers temps? Peut-être Puck plutôt, que c'est aussi un truc que les gens aiment bien jouer contre OD et qui évolue bien avec ce qu'a actuellement Vici Gaming. Non, ils vont ban la Brood, ok, on laisse pas trop passer ça, ça peut être très problématique. Moi j'aime bien les deux bans Vici Gaming Reborn de la première phase parce que c'est vraiment dirigé contre le style de jeu de MVP qui nous a fait pas mal de drafts avec des duos de support enchant plus X très très agressifs et très très orientés sur la phase de ligne dernièrement, donc j'aime bien ces petits bans là. Alors MVP ils ont fait n'importe quoi aussi, hein. Ils ont fait du jug support boots level 1 roaming et, des trucs du genre, donc on n'est pas à l'abri de choses un peu spéciales de la part des Coréens. Mais non, les bans sont assez standards côté MVP. Darkseer Brood, on a enlevé deux offlaners un peu compliqués à gérer. Pour moi, les deux bans là, ils veulent peut-être bien dire que l'OD finit en safe lane, parce que c'est deux choses que l'OD a beaucoup de mal à gérer sur sa safe lane. Tu trouves que c'est compliqué pour lui de gérer vraiment un Darkseer? Parce que tu te retrouves tout le temps sur tour peut-être? Il l'atteint jamais, il est toujours sous sa tour, l'OD. Okay. Il arrive jamais à aller atteindre le DS pour
choper de l'intel et donc embêter le DS. Et bah malheureusement, s'il a pas de bol sur son aura, il clean les creeps qui ont Lion Shell, c'est la galère quoi. Ok, d'accord. Nightstalker, qui est on banne du roaming hein, côté, enfin on banne enfin Vici Gaming qui là a bien bossé, enfin a bossé en tout cas sur sur MVP et banne en fait la pression qui les héros qui peuvent mettre potentiellement de la pression sur sur leur early game. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, c'est vraiment des typiques bans que les gens font contre MVP. Enlever tout ce qui a la possibilité de roam très tôt. Un petit lion qui arrive, c'est un peu un pic à blanc comme ça, où on remet plutôt la balle dans le camp de MVP en disant voilà, nous on a aligné nos deux super, notre position, hein, c'est notre safe lane, c'est peut-être un setup agressif aussi si on veut, faut faire gaffe un peu à votre mid avec leur spirit qui peut roam dessus, on n'a pas annoncé grand chose dans notre strat, c'est un début de strat qui peut partir sur un truc très push, comme très pick-up, comme très teamfight, bref. Pas encore grand chose d'annoncé côté Vici Gaming Reborn. Ça non plus, ça c'est aussi un pic à ouais, blanc, ça. Ouais, c'est ça. C'est on pique des supports qui sont globalement des supports solides, qui sont des supports un peu multifonctions, on va dire. Enfin, le Witch Doctor, tu peux avoir un aspect défensif sur le heal, un aspect plus offensif avec de la mêlée, enfin, selon ce que tu décides de donner à ta game. Et on voit venir, en fait. On voit bien ce que là en face ça pique et on se dit, bon, ok, on va peut-être partir là-dessus ou voir ce que ça va donner. Il y a le mid de récupérable et l'offline encore par Vici Gaming, et ce sera DP mid. Intéressant. Donc on a l'air de prendre plutôt l'optique, pas envie de dire push pour autant, mais plutôt l'optique 5-man, puisque c'est là que l'ADP excelle, que ce soit en teamfight ou en prise d'objectif. Intéressant. Le match-up contre OD, si on se retrouve sur ce match-up 1v1 mid, il est pas forcément à l'avantage de l'ADP. Maintenant, il y a le siphon qui continue pendant le banish, donc ça peut être parfois un peu embêtant pour OD, mais c'est quand même un match-up qui est plutôt favorable à l'OD généralement. On va voir ce que ça a décidé en termes de line-up. Après, avec Earth Spirit derrière, enfin, tu sais toujours que tu vas faire ton mid plus ou moins de V1, quoi. En tout cas, tu vas devoir ouais, subir la pression de leur spirit, quoi. Donc, on va voir comment ça va être négocié et comment MVP va pouvoir répondre à ça. Ils ont de la réponse, hein, MVP. Hein. Ils ont de la réponse en cas de dive ou en tout cas de go. Il y a le NP qui est là, il y a le Rejector aussi qui est très efficace dans ce genre de situation. Donc, on va voir sur la suite du draft s'ils annoncent peut-être un position 1 maintenant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de venir chercher? Le Zen a été banni, hein. Ouais, je veux dire, Zen en fait aurait été pas si mal que ça, notamment pour l'armure en fait, contre DP et Giro, tu nullifies énormément les dommages. Après, il y a pas mal de contrôle, ceci dit, de la part de Vici Gaming. J'aime bien la théâtre QO là-dedans, mais du coup, faudrait jouer l'OD sur MP en safe lane, alors que tu connais pas encore l'offlaner adverse. Peut-être prendre le deuxième support, c'est le meilleur plan pour le moment, côté MVP. Et regardez. Il manque de burst au final, et c'est embêtant de pas avoir de burst contre DP. Et les supports de burst, bah, il y en a un peu. Le meilleur étant Lion est déjà pris. Tu peux Lina là-dessus, mais c'est pas fantastique. Tu peux AA. Non, ok, ils vont se décider sur le jug. Alors, attention. La dernière fois que j'ai dit jug position pour MVP, intéressant, ça met l'ordre. Et bah, en fait, c'est un jug support bot level 1. Donc, je vais rien dire. C'est un jug point. C'est un pick juggernaut, fin de l'histoire. Voilà. Ok, les last bans qui vont arriver et les derniers picks, qu'est-ce que tu viendrais chercher toi? Moi j'aimerais bien voir, notamment en plus si c'est contre un jug, si le jug là, on peut imaginer qu'il sera peut-être position 1 éventuellement, mettons beaucoup de guillemets autour de tout ça, j'aimerais bien voir un pick Void éventuellement pour Vici Gaming. C'est le last ban. Ah bah c'est le last ban de MVP. Moi je voyais Void ou Doom, je pense qu'un frontliner ferait bien le taf aussi, quelque chose qui permet de nullifier quelqu'un dans la fight, les deux ont au final un peu la même manière d'évoluer. Le même rôle, on va dire. Ouais. J'aimerais bien Doom, ça me plairait bien. C'est compliqué pour eux, comme on a dit, ils ont pas de burst, ils ont pas beaucoup de dégâts. Tuer un Doom, c'est compliqué aussi quand on arrive dans le mid-game. Dans de draft, ouais. Ouais. Parfait. Vraiment ce qui leur manquait, je pense qu'ils avaient tout qui était bon en dehors de ça. Il leur manquait un héros pour faire un petit peu le frontliner et l'utilitaire en même temps. Ils ont du mono-cible, ils vont pouvoir nullifier une target avec ça. Ils ont de la prise de bâtiment. Il est bien rodé ce draft Vici Gaming, honnêtement. Il est, je l'aime beaucoup. Tusk, alors je ne sais toujours pas qui est core et qui est pas core. Ça peut être un Tusk mid et un truc bizarre. Je sais pas du tout. Non, non, MP au jug et QO à l'OD. D'accord. Et bah, qui sera sur le Tusk Forever, sur le Nature Prophète.
Donc j'ai un petit doute. End, c'est... Putain, je sais plus. Ah, c'est Zywaïef. ZYF, c'est ça. Voilà. Est-ce que maintenant on l'appelle End ou est-ce qu'on continue de l'appeler ZYF? On va Peu l'appeler les importe. deux Peu tout au long de la importe. game. Peu importe. On va Ok. appeler les deux. Donc Didici qui va Et c'est jouer le Mikasa qui va jouer Lion. mid? Ouais. Oh, Bah ils putain. remplacent leur joueur de mid, hein, de toute Je me façon. demandais si c'était pas FY qui allait jouer mid du coup, mais. FY Earth Spirit. J'ai hâte de voir le Earth Spirit de FY. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de regarder de games chinoises ces derniers temps. Et je t'avoue que de ce fait-là, ça fait peut-être quelques mois que j'ai pas vu FY évoluer. C'était. Et je pense que ça reste un de mes top 3 de joueurs préférés. Et j'ai hâte de voir s'il est agile. S'il est agile avec le ballon, comme on dit. Non, ce Tusk, ça fait longtemps que j'ai plus vu Tusk, moi. C'est un gros héros pendant toute une période là. C'était en offlane, comme en support, la versatilité du héros était assez impressionnante. On a même vu des tentatives de Tusk mid. Je crois que le seul endroit où on l'a pas vu, c'est position 1, ce héros au final. Et il était plutôt bon dans chacun des rôles et à chaque fois qu'on le voyait. Alors, des fois, le Tusk est très intéressant pour pouvoir. De manière défensive avec la snowball, là, pas tant que ça, peut-être Sur l'Omni, protéger. Ouais. slash, mais c'est à peu près tout. On s'était smoke de la part de MVP, on va rien trouver du tout Mais pour. l'Omnislash est de son côté, donc Oui, en tu vois. plus, bah Je sais pas, peut-être empêcher l'enchaînement du Lion, tu peux prendre le mec qui est Doom pour lui éviter de prendre quelques dégâts, c'est. Ceci dit, entre OD et Tusk, tu peux quand même passer à un moment où. Je veux dire, si le Lion, par exemple, imaginons que le Lion engage une cible, le Lion engage, on va dire, le Doc. Et si MVP a envie de dire non, tu tues pas notre Doc, tu peux le boule de neige plus banish, le mec il est pas là pendant un moment, hein. Le mec il est pas là pendant 7 secondes. Est-ce qu'on va te donner la runebot au Doom? Non, on est en train de partir finalement. On a bien vu que MVP est en position pour un éventuel trade au top. L'OD de Kyo qui va récupérer la bounty. Et c'est la DP avec un petit peu de retard de Minkasa qui va récupérer Cellbot. C'est pas trop grave. FY est en train de lui bloquer la mid lane. Donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Le Doom qui est parti sur Bootsfers qui s'avance gentiment sur le flame. Il a pris une petite sentry pour pouvoir déward si jamais il y a une ward lane ou ce genre de choses. Mais on n'en aura pas l'occasion de voir ça. Il y a plutôt eu du warding autour de la mid lane pour MVP. Et on a bloqué le camp au top. On vient essayer de contrôler les tréants. On cut la wave, hein, bien entendu, de la part de Forev. On va pouvoir récupérer cette wave level 1, sauf le range creep. C'est marrant ce qu'ils ont fait mid. Oh, ils vont se faire contrer d'ailleurs, mais le Rolling Boulder a pas touché, les auto-attaques ne suffiront pas. C'est marrant ce qu'ils ont tenté MVP, le Banish into Into Ice Shard Shard. là. Sur le Golem, il n'y avait pas de dégâts derrière, donc ça va servir un peu à rien. Et le Warding, ouais, tu l'as dit, qui est carrément centralisé autour du mid côté MVP, c'est vraiment pour essayer de protéger QO du roaming de leur spirit. On va refaire la même mid, j'ai l'impression. Non, on n'a pas été mettre l'Ice Shard cette fois-ci, il y avait leur spirit qui attendait tranquillement sur le haut. On va peut-être partir sur Forev du coup. Ouais, j'ai l'impression. Si, on est en train de pull. Didici, il est en train de pull. Donc, il est pas vraiment en Ouais, position pour le non. moment pour faire quoi que ce soit. Il a des wards hein, ici, ce qui était venu bloquer. Ah, au mid, Ah, il lui hein? ping Ouais, dessus. on est parti au mid. Il y a la snowball. Mikasa qui a mis le link. On est out CD. On est en train de TP Forev. Mais on n'aura absolument pas l'opportunité de récupérer quoi que ce soit. Il n'y a pas de sprout encore sur Forev qui est seulement niveau 2. Là-dessus, c'est dommage. Ça aurait pu suffire parce qu'on avait plus de tango. On a FY FY. qui a jump sur Forev. Faut qu'il fasse un petit peu attention quand même, FY, parce qu'il est tout seul. Mais bon, il n'y a Il pas se fait vraiment banish, il est pas bien, je trop de pense, soucis. Ouais, mais. il n'y a pas de bot sur l'OD encore. Ouais, on aura. Ah, du coup, il y a Mikasa qui revient Attention de à Faye l'autre Bye, côté, hein! qui lui va prendre le banish. Il y a DLC qui vient aussi, c'est un 3v3 bizarre. Il y a une invise sur Tuo, ça se retourne sur DLC. J'ai l'impression qu'il va prendre la snowball, il va mourir. DLC là-dessus, c'est certain. Et Mikasa, il va pouvoir s'en sortir. Ouais, il manque encore. On a essayé de Clarity Phoebe pour lui donner suffisamment de mana pour l'Ice Shard. Non, ça ne passera pas. Bon, petit échange bizarre là où tout le monde est revenu un peu dans tous les sens. On va repartir, mais ils arrêtent de faire la guerre à un moment ou. Non, ils arrêtent jamais de faire la guerre. Qui trade gentiment avec Mikasa et qui perd un petit peu le trade Regarde, il est là-dessus. Le reparti. boulder in de FY, mais qui touchera pas les très jolis shards de Phoebe qui vont venir le bloquer derrière. Into la snowball, into le kill Q qui prend un peu les auto-hits de la part de Mikasa. Et MVP qui met la game en pause juste derrière. MVP 2-0 pour le moment qui arrive à créer des
Je vais pas dire c'est même BP qui arrive à créer des opportunités, mais C'est un peu FY qui fait c'est n'importe quoi FY deux fois, non? qui est pas très à l'aise finalement, le ballon lui glisse un peu des pattes quoi. Ouais. Il a fait un peu n'importe quoi deux fois dessus. Première fois, c'était pour venir cancel la Clarity de Forêt. Ok, mais du coup, c'est bait ton commit et il y en a un qui est mort. Et là, il a juste raté, là. Allez, on est reparti. Comment se passe la vie des offlaners, là? Je pense que Doom est assez tranquille, quand même. Ouais, Doom il est est même très bien tranquille. tranquille, Ouais. ouais. 8 CS là, sur... il a plus de 16. Enfin, c'est tellement la guerre au mid que le Doom a plus de 16 que les mid, quoi. Quand tu regardes, les mecs ont 6 last hit et 7 last hit. Genre, rien, les mecs passent plus de temps à taper dessus qu'à taper du creep. On restabilise un petit peu l'histoire, on bottle crow de la part des. Bah non, c'est pas encore du bottle crow, ils ont pas leur bottle, vu qu'ils sont banavés dessus. Et Bah, alors, l'OD vient d'avoir la sienne, je crois. ouais, Mikasa Voilà. est à 10 gold. Un creep, c'est dommage, je l'ai raté celui-là avec la wave. Et t'as un creep d'avoir la sienne. Il va pouvoir se la ramener là. Voilà, c'est bon, ça arrive. Et l'OD s'est fait rapporter la sienne par le Tusk, donc il sera un petit peu en avance là-dessus. Il a déjà 2 kills ce Tusk, donc lui il est bien, hein. Il s'est payé ses bottes, il a 500 gold en banque. Et level 3, c'est marrant, il a fait 1-1-1 au level 3. Généralement, vous aimez bien avoir Light Shard un peu plus de les. Parce que Light Shard double en dégâts entre le level 1 et le level 2, ça se scale bien au niveau des dégâts. Ce soir, il gagne 60 dégâts par level. Et du coup, au final, Light Shard level 2 fait pas mal de dégâts pour ce moment-là de la partie. Les runes qui sont contrôlées d'un côté comme de l'autre, Rungilus sur la DP, bien entendu l'OD de l'autre côté de la map récupère la bounty. Petit avantage là, mine de rien, à l'OD. On était vraiment égalité sur les CS, mais tous ces trades à l'avantage de MVP ont permis à Akio de prendre un petit peu l'avantage sur cette mid lane. Et d'avoir un petit avant. Ouais, ce qu'on attend du match-up aussi. OD est censé être légèrement devant l'ADP quand même. Bon, là, c'était la grande guerre mid, donc ça se ressent encore plus. Il faut réviser la finesse. Facebook avec Nature's Prophet, là, c'est le moment où il devrait être bien tranquille, bien large, puisque avant que le Lion le surprenne vraiment, mais avant que le Lion avec Bootsbrune arrive à venir suffisamment proche d'un Nature's Prophet Faceboot. Et les deux équipes ont décidé d'arrêter de faire la guerre mid. Mais on va partir en bas peut-être, ça s'avance pas mal. Non. Juste des clics droits. Pas de stun lâché de la part de Doubou, Compliqué de le vraiment capitaine de l'équipe. récupérer ce Doom, je pense, avant le level 6. Le level 6 du Jugger, le Scorch S, est quand même. Ouais, Ah voilà. bah voilà, il est 6, mais non. Bah il a activé le feu en voyant le Jug passer 6, mais en fait le Jug avait pas de mana pour Omnislash de toute façon, donc ça change rien. Bah, il a un Mango après, hein, le Jug. Ah, au mid, il Ah y a oui, c'est vrai. eu un Ice Shard qui a été passé. Mikasa, très joli roulé-boulé, deux fois qui va se faire banish derrière, Forev qui TP, on a le contre-TP d'apparaître également du Giro qui va pouvoir mettre le cooldown, mais on va rien récupérer là-dessus, le Sigil qui est un peu efficace et qui ralentit un petit peu tout le monde. Joli trade, beaucoup de monde au mid, on est sur un espace de 4v3, et le gagnant de tout ça c'est DDC qui est bien content, qui lui se retrouve tout seul sur sa lane top et peut prendre un peu d'XP. Carrément. Et le Doom qui se permet de jouer un petit peu agressif sur le jeu dans l'intendance, c'est peut-être pas fini en bas Ouais. avec Doubou qui est dans le coin qui va prendre le stun de la part de FOI, le roulé-boulé qui est enchaîné derrière. Attention au stun qui peut très bien rebondir et permettre à Doubou de s'en aller. Est-ce qu'il y a encore un Rolling Boulder? Non, ils ne vont pas continuer, ils ont vu que le Jug était absent de la ligne. S'enfermer là-dedans et Au prendre un top, au nouveau top, au casque et top, un au top! spin. Et effectivement, au top, on a eu le Giro, donc les deux équipes qui ont trouvé de l'agression sur les bois adverses. Et Et c'est en CMVP, faveur de MVP bah une fois de encore, ouais, plus. encore une fois, quoi. C'est des trades assez compliqués à chaque fois qui sont très close d'un côté, enfin de récupérer des kills, mais c'est MVP qui arrive toujours à marquer là-dessus. Au mid, Mikasa qui charge Kyo, on a l'ulti sur Kyo, les Sharps qui vont pas faire les Ah, il dommages, se banish? on se banish, c'est plutôt bien joué par C'est contre ça pour laisse FY ça. FY qui va apparaître le kill, la snowball, oui! Oh Oh! oui, c'est tellement bien joué! Non, il prend un coup de tour. C'est bon, 15 HP. c'est bon. Oh là 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 Et là. au top c'est Forev qu'on récupère, cette fois sur Mikasa et sur un cooldown. Ça fait bi, c'est ton jeu, putain. Tellement Trop bien joué de stylé. la part du Tusk là-dessus. Et ça joue très bien, hein. D'un côté comme de l'autre, il y a de très jolies actions qui sont mises en place. Hein.
Et malheureusement, FY, s'il avait eu un level de silence, là, s'il avait été parti sur 1-1-1, il avait de quoi finir l'OD après. Mais ouais, non, il avait vraiment que le shoot, que le boulder smash. Ils vont se smoker les deux supports. En attendant, on a une agression en haut qui va être mise sur le Giro. La Shard est un peu court, donc le Giro, ça ne donnera rien. Et la smoke de Vici Gaming, où est-ce qu'elle va? Elle va mid. Le Rolling Boulder est raté. Par contre, on a touché le stun. On a un nouveau stun. Un ex. Putain, il est déjà level 6, ce Lion, là. Comme il a eu la safe lane, là, plein de fois. Il est 6 et demi, mon gars. Ah mais il est trop trop bien. En face de ça, c'est vis-à-vis de WFUA, ils sont level 5 et 4 hein, tous les deux. Donc là, on a possibilité de mettre un finger qui peut potentiellement un peu surprendre sur un quick kill. On a pas mal de burst dommage avec l'ajout du Giro. Et on va aller défendre sa tour top, j'ai l'impression. On n'a pas encore l'ulti sur Mikasa, mais par contre on a, j'allais dire les trois charges, mais non, on a une seule charge qu'on les a utilisées, on vient d'utiliser au mid de siphon, mais on peut faire le taf là-dessus. Et Foy qui est en train d'arriver, le cooldown qui arrive, MP qui va pas mettre la toupie, si qui met la toupie, il prend le Doom, mais après la toupie, on est en train de arriver, il y a un très joli shoot Dubu qui va réussir à mettre le stun quand même, ça va peut-être lui permettre de temporiser un petit peu. On essaie de mettre tous les dommages de la terre. DDC qui est avec l'ulti, tu l'avais dit, niveau 6 récupère le kill, on devrait récupérer Dubu également. MP il est Doom, donc t'es out du fight mon grand avec ton jugger. Et hélas tu peux pas vraiment, même si t'avais déjà mis la toupie et la ward, te retourner pour mettre un potentiel ulti. Et voilà, enfin Vici Gaming Reborn qui rentre véritablement sur le scoreboard, on va dire, là sur la dernière minute, en attrapant l'OD et quelques kills supplémentaires à la top. Voilà qui... Oh, les arbres Nature's Prophet qui ont été récupérées là-dedans, mais tellement sneaky, quoi. Tellement sneaky. Bon, il est mort forever là-dessus, mais il a pas tout perdu quoi sur la récupération de cette tour. C'est important hein, de récupérer comme ça une tour. Alors déjà pour lui parce que ça lui donne beaucoup de gold, mais même pour sa team, enfin une tour deny c'est moitié des gold que vous étiez censé récupérer. Ça se traduit par des valeurs de 500 de net worth à peu près pour votre équipe dans moins si vous l'avez fait deny. En fait, il est toujours niveau 5. MP qui prend un peu la lane top, qui est en train de terminer, qui a même complété son drum. On est en train de faire bouger le Doom, mais on n'a pas spécialement de Doom à utiliser, on n'a pas de Finger non plus. Je vois pas trop comment on peut avoir l'occasion de tuer ce Jugger qui se sent de cette là, en l'absence de ses deux sorts, plutôt safe, et se permet de remonter vraiment très très loin la lane. Nouvelle petite pause. C'est peut-être... MP qui est... Non, il est pas vraiment en danger. MP, ils ont ni le Doom ni le Finger. Ils ne vont pas pouvoir lui tomber dessus. FY, lui, il est en bas dans une position un peu spéciale, mais il devrait pas vraiment être en danger non plus. Et tout, est-ce qu'on a un premier véritable item de fini dans cette game? Non, j'ai vu des débuts de drum sur plein de gens. Bon, il y a un drum sur le Nature's Prophet, voilà, c'est fini. Il y a un drum sur le Jug, voilà, très bien. À part une collection de tam-tam, il y a bientôt un tam-tam sur le Doom, et bientôt un tam-tam sur le Giro. Bon, bah... Like, strat tam-tam. On a Soon Mass tam-tam. Ils vont pouvoir faire les roulements le Coco Bongo en boucle. Ouais, les roulements de tambour, ils vont y aller, hein. Y a pas de souci. Ouais, spin TP de la part du Jug, pas vraiment d'opportunité de cancel ça. Rune de DD qui va être récupérée, bot par Mikasa. Attention, non, c'est double but. Ouais, bah il va TP. TP. Ah bah. Par contre, c'était double rune. Donc il a récupéré la DD, mais il n'aura pas empêché la DP de récupérer une petite bounty rune. Un vis sur Kyo, hein. Qui va scouter un petit peu ce qui se passe. Merci Aura. Un tam-tam lui aussi d'ailleurs au passage. Value stat item. On est ouais. Smoke de la part de Vichy. Est-ce qu'on va réussir à trouver Forev? Oui, on arrive à trouver Forev. Il va mettre l'ulti, le stun qui va passer de DDC qui est derrière. Et ça devrait être le kill sans aucun problème absolument là-dessus. Sur le flamer ouais. MVP. Et Kyo qui avait trouvé le Doom en haut qui pouvait le tuer, bah il a été un peu triste quand il a vu le Doom TP mid pour rejoindre le fight. Il a pas pu, bon. Enfin j'étais pas là donc il a pas pu l'Astral. Non c'était sous la tour, il a D'accord. pas voulu aller l'Astral sous la tour pour... Donc, mid, ouais non il met juste deux petites auto-attaques histoire de voler 8 d'Intel.
Bon, le Doom allait back sous la T2 avant de TP, donc il allait pas lui courir après sous la tour. Hein. Le Doom qui est parti sur okay. MP, le Banish qui va tomber derrière, très joli silence. Le snowball derrière, sur FY, FF qui arrive, la snowball, on va mettre l'ulti qui va faire vraiment très mal, les périodes de récupérer, on va récupérer un pour un. Pour le moment, le finger qui a passé sur QO, ça permet de récupérer le kill également. Forev qui est un peu dans la panade et qui est obligé d'utiliser le Tam Tam. Un de ces Tam Tam qui met un très joli sprout derrière. On vient zoner un petit peu tout le monde avec le Sigil. C'est un Sigil maxé, hein. Donc on gagne 60 d'attaque speed slow à ce moment-là, c'est violent. Hein. Et DDC qui se fait un peu martyriser par le creep en étant dans le charme, mais qui s'en sort. C'est 2 pour 1 là-dessus, mais avantage certain. Pour VG, on prend pas la ward. Attends. Bon, l'a laissé péter à quelqu'un, je sais pas à qui. Il l'a laissé au Shiro, sérieux. T'en déconnes. Ah non, parce qu'il s'est ramené des tangos pour régène. Il s'est ramené les tangos à cause du sprout et du coup il bouffe la ward au passage avec son tango pour masse régène. Oh là là là. Le next level de la malignerie, quoi. Ça, c'est le summum du tryhardisme. Ça, c'est le genre de truc où demain, quand tu vas aller faire ta matchmaking grand quête, t'as ton carry qui va te spamping et dire « Report, let me kill the ward !» et tout, parce que sous prétexte que Vichy Gaming Reborn l'a fait. On a un ulti qui va passer au mid, MP qui est là derrière, on n'a pas de Doom par contre à utiliser sur MP. Il y a un très joli stun du footballeur de FY qui va tomber derrière, l'ulti de la DP qui va suivre. Je pense que QO est un peu dans la panade, on la snowball, l'ami QO, mais ça ne devrait peut-être pas survivre. Si on a la ward du jugger, c'est bon, la ward qui fait le taf, on devrait sauver au moins l'OD. Bien joué, Tusk. Ouais. Ah, c'est, on les sent quand même, c'est tout le défensif là, le banish plus la snowball, ça permet tellement de tempo, ça embête beaucoup leur spirit qui a du mal à refresh son magnetize du coup. Et ouais, ça fait son petit effet. Hein. Je pense qu'on est pas loin du moment où il va se prendre des dooms, Phoebe, avec son tus. On va partir en bas sur Forev, ce qu'ils ne savent pas, ouais. C'est qu'il y a des gens qui sont déjà là. Mais pour l'aider, fait. Bah c'est Phoebe justement. Est-ce qu'ils arrivent à le tuer? Non, ils ont pas de finger, ils ont rien, et on va snowball FOA du coup. Ouais. Le Doom qui est parti, cette fois ça sera sur QO, on essaie de lui mettre toute la pression, le Link de Mikasa qui vient suivre derrière, il y a peut-être un deny à tenter pour Phoebe, j'ai entendu un ulti de MP, mais qui aura servi à récupérer absolument personne, le deny du Tusk sur le dé qui est passé, Phoebe qui devrait tomber un peu aussi là-dessus, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus trop d'arbres là pour le jeu, c'est compliqué. Ouais, bah, donc il y avait 4-2 au kill score, maintenant il y a 6-10, Vichy Gaming Reborn qui a enclenché la machine, bêtement. On parlait du mid-game, du manque de dégâts de MVP en mid-game, et je trouve qu'il se ressent beaucoup, parce qu'on a beaucoup plus de facilité à tuer côté Vichy Gaming Reborn, où il suffit de mettre le Doom sur un mec et le focus et il va mourir, ou tu mets le Doom sur un mec et l'autre tu le all-in avec le Lion et c'est bon, et c'est un kill. De toute manière, quand t'arrives, tu prends un kill. C'est quoi le plomb pour MVP pour être sûr de tuer quelqu'un? Il faut mettre Dundock et Omnislash sur un mec isolé, mais c'est très très théorique, on va dire. C'est beaucoup plus difficile à se retrouver dans une situation où c'est faisable, alors que Vichy Gaming Reborn, c'est beaucoup plus simple à obtenir ce cas de figure. Donc ça se ressent beaucoup. On va peut-être se croiser dans les bois, on a l'information, on croise la ward, il tryhard un peu moins, MVP, hein. La ward il la laisse, attention à Phoebe qui va prendre le stun, qui derrière ça prend même le finger là-dessus, on lui laisse absolument pas la chance. De Snowball et DDC qui récupère le kill. Et là, DDC qui part aussi sur le build un peu qui avait fait Play Lie Die pendant le dernier Major, à base d'Arc and Boots sur son Lion. Un seul level de Mana Drain et on max le X, on vient chercher le max X derrière. Je pense que depuis l'apparition de la Etherlands et sa popularité, je pense que c'est vraiment legit de refaire Mana Boots sur Lion. Parce que comme ça, tu peux vraiment rush ta dagger de manière très très sereine. Pas de problème de mana, tu prends ton single level de mana drain, t'as toute la mana pool qu'il faut, tu rush ta dagger et t'as une suite logique derrière ta dagger qui est à Etherlands puis Tranquil Boots. Ou Tranquil Boots puis Etherlands comme tu veux quoi. Au top, on a essayé de trouver hein, le Nature's Prophet, mais là on n'a pas trouvé la lucarne de la part de FY sur le shot et il a pu TP tranquillement. Il est parti sur Quarterstaff ce NP, donc Orchid qui va arriver en prochain item. Il va TP quelque part, où? En bas, ok, pour push. MVP qui se dit, bon, on a un peu du mal à gagner les fights. On va essayer de libérer les T1 sans prendre trop de risques. Elles sont quand même très low, hein, ces deux dernières T1 qui sont sur pied. Celle d'en bas,
La défense commence à se mettre en place maintenant. Mais elle est morte en tout cas cette tour. Ouais, Kyo, ça va permettre à Kyo de terminer son drum. Il y a trois drums dans l'équipe de MVP. Quoi. Les trois corps ont tous les deux les trois corps ont tous les deux un drum. Quoi. Et est-ce qu'on a une révélation de premier item? Tu me diras, on a pareil chez Vich. Il y a six drums dans cette. Honnêtement, il y en a. J'ai raté un pass shot dans la nuit ou. Il y en a un qui pourrait être un Veil, quoi. Je me suis loadé, je comprendrais jamais le drum over Veil si on est. Il y a quand même 6 drums dans cette game. C'est quand même pas mal, hein. Eh, c'est un. Starladder en direct du. Je sais pas à quel endroit est-ce qu'il tape beaucoup sur des tam-tams là. Pour histoire de pas faire trop le raciste, je sais pas. Trouvez-moi un pays où les gens tapent beaucoup sur les tam-tams sur le chat. On est smoke. On va trouver Kyo qu'on va massacrer. Est-ce qu'on va trouver plus? Mais de l'autre côté, on trouve le Doom en face. En échange, il y a un très joli Sprout qui vient un peu couper la faille. De celle-là, FA, il se retrouve un petit peu isolé au milieu de tout le monde. Sauf que Forev, il part pas vraiment du bon côté pour pouvoir courir et s'en sortir là-dessus. On est en train de ramener MP, histoire d'essayer d'aider tout ça. La ward qui vient être posée. Il y a un ulti Giro, mais qui va proc'er absolument personne. Forêt, il va tenter le TP, mais ça ne passera pas. Il va prendre le stun de la part du Lion. Il y a des shards qui vont arriver derrière de la part de Febby qui va TP dans le fog du Rosh Pit. On a l'ulti qui est level 2 sur la Death Prophet et on va en profiter pour récupérer le Rosh là-dessus. Yep. Encore une fois, quelque chose qui part en faveur de Vichy Gaming Reborn. Non, c'est vraiment ces CD mono-cibles qui sont très bien rentabilisés à chaque fois. Hein. Ce Finger, ce Doom et ainsi de suite. Tout. Et carrément, toujours très bien rentabilisé. On a quand même une espèce de volonté de challenge ce rush, mais on arrivera trop tard. Aegis s'était posé sur la DP, qui est pas loin de finir. Oh, bah tiens, attendez, on a tué le Jug Top. Il devait être en train de split push et il a pris le Doom qu'il a pas pris tout à l'heure. C'est ça, ouais, la dagger du Doom en fait. La fraîche dagger du Doom qui a permis de débloquer ça. Et deny de tour. Me dit au Cameroun pour les tam tam. Ça sera le Starladder en direct du Cameroun, ça me plaît. Parce que les mecs qui ont proposé dans les facs de lettres et sur les quais à Paris, non. Non, non, j'aime bien le Starladder en direct de la fac de lettres, mais. Tiens, il partira sur Octarine direct avec sa DP. Pas de Heul. Ah oui, est-ce que c'est pas le casual point booster que tu vois parfois une tout genre Aga. Une tout BKB que t'as tendance à voir de temps en temps aussi? Oui, c'est possible, tiens, contre OD le BKB direct derrière on va trouver en parlant le de cette OD. En parlant de l'OD, je sais pas pourquoi est-ce qu'il va monter cette colline là, mais c'était une bêtise. Yep, c'était une erreur et ça va leur coûter la T2 ici et ils vont peut-être pas s'arrêter. On a combien de temps sur l'ulti d'épée? Non, on a 50 secondes sur l'ulti d'épée. On aura peut-être pas l'occasion de récupérer un peu plus et d'aller chatouiller la T3 par ce manque de cooldown de l'ulti d'épée. Très bien. Qu'est-ce que ça fait comme avance à tout ça? Ça fait un bel enchaînement quand même pour Vichy Gaming Reborn là depuis tout à l'heure. Ah, carrément, voilà, ça se sent. 10k XP déjà. Ok, 7500 gold et 10k XP. Ouais, on se commence à faire beaucoup quand même, hein. On commence à faire sacrément beaucoup. On va être sur la dagger du Lion, là, il va la finir tranquillement. Top. On va être aussi sur le BKB Giro à peu de choses près. Et non, c'est complètement sous le booster sur la DP, donc c'est Octarine, Octarine okay. First. On va vouloir Doom le Jug en bas, mais le Fog embête un peu. Ah bah, on pourrait le trouver maintenant. Est-ce que c'est nécessaire du coup? Oh, on a raté le stun. Ouais, mais le petit caillou, c'est bon, petit caillou. Petit caillou, into silence, into. T'es mort! Bon. Et là, End qui va pouvoir récupérer bien gentiment le bon petit stack, d'ancien. Ça va lui payer. Il tient un sacré taux de farm, hein, Zidwayf, sur la game là. Ouais, parce 10K que. Network, 10... Ouais. J'ai oui, 10k network, c'est loin d'être. Ouais, c'est pas monstrueux, mais c'est pour dire que c'est une game super active. Il a 10k network minute 20. En étant sur 14 kills, quoi. C'est ça ouais. Qu'il faut prendre en compte. Sur 14 des 16 kills de son équipe.
Donc le mec tient un rythme dans la game qui est assez balèze quand même. Et puis ça fight tout le temps, il rate pas ses stacks, enfin il continue de stack en même temps des fights, etc. Enfin je regardais un petit peu, mais c'est vrai que là-dessus c'est assez chaud. On a beaucoup de monde au niveau de la top line de la part de MVP, on est surtout là pour mettre un petit peu de pression en plus qu'autre chose. J'ai l'impression qu'on veut se smoke peut-être de la part de Vici Gaming. Totalement, la smoke qui va être craquée, on part à la chasse et on va voir qui on va réussir à trouver. Il y a du but qui traîne un petit peu là dans les bois, est-ce qu'ils vont smoke pour aller dans leur propre bois ou aller ailleurs? On va peut-être retrouver encore MP. MP, tu meurs beaucoup là. 0,5, 2. Oh le blink qui est un peu derrière, mais c'est pas grave. On va mettre le Doom là-dessus. Je vois difficilement comment on peut le sauver. Très joli ward de la part de Dubu. Faut la cancel. Ouais, elle est cancel par Swipe. Ok, c'est pas trop mal. L'ulti de Mikasa qui arrive derrière, qui fait énormément de dommages. On va récupérer Febile, même si on a perdu le Lion. On récupère absolument tout le monde. Triple kill sur cette ulti. Et sans le Giro en plus, quoi. Et sans c'était Giro, tout ouais. Ça sans le Giro. Ah non, ça commence à devenir vraiment one side comme game. Hein. Mais c'est super dur à jouer contre. Hein. Enfin, c'est pique Lion Doom. Enfin, je veux dire, pour ce jugger, ouais. Parce que même si tu mets la spin, enfin, je veux dire, tu vois le Lion, t'as tendance à instant spin à peu de choses près, quoi. Et le souci, c'est que derrière ça, bah, t'es une cible mais privilégiée pour le Doom, et c'est sûr et certain que tu feras rien du tout. Et d'ailleurs, ça se voit quoi, il est à 0,5-2. Enfin, il a un impact qui est totalement nul dans cette partie quoi. Et je pense que le problème auquel ils font face maintenant, MVP, c'est que ce genre de choses, tu peux retourner ce genre de situation en ayant toi l'engage sur les fights. Parce que en toi sautant, je sais pas, sur la DP, en trouvant un moyen de sauter sur la DP et en forçant le fight dans ton sens, en commençant avec l'Omnislash, en commençant avec l'OD qui met quelques coups et qui enchaîne avec l'ulti, mais ils ont pas d'engage et ils ont rien pour permettre d'engager. Ce serait quoi un truc qui leur permettrait d'engager un jour? Un Jug qui fait une dagger en troisième item, ou il y a Forev qui est en train de mourir, ceci dit, contre DLC et Young. Et sinon, tu dois attendre la dagger de ton Tusk support, quoi. On va et repartir sur l'OD à gauche. Ouais. Ouais, ça me paraît compromis cette partie. Et ça a quasiment payé l'Octarine de l'ADP. Autant dire que là, bah, sur le prochain rush, ça risque d'essayer de monter le high ground. Est-ce qu'on a une info sur le respawn de rush? Ouais, non, on en est encore très 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 loin. Et beaucoup d'argent sur le Doom, là, 4500 gold sur le Doom, faut les dépenser. Il y a 3K gold sur le Giro. Et l'Octarine de l'ADP, hein, justement, dont on parlait. Et Shiva, ça sera sur le Doom, donc il vient d'acheter. Ok, bah il est là. C'est tranquille, tu one shot des Shiva minute 23. Les mecs viennent de finir Shiva et Octarine. Je pense qu'ils ont un petit pic de force là tout de suite là. 14 et un Eagle Song et un Veil. Ah oui, non, un tout petit pic de force. 20k XP d'avance là pour Vici. C'est dur, hein. C'est très 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 dur. Les supports de MVP qui sont vraiment en retard, level 9 tous les deux, même ce Jugger il est que niveau 11 quoi. En face de ça, si on regarde un peu les corps de Vici, enfin ils sont level 14, le Doom il est 14, la DP elle est 14 aussi, le Giro il est 15, enfin, pff, mais... enfin c'est simple, le Jug est plus bas niveau que toute la team de Vici Gaming. Mmh. Même là, s'ils veulent essayer de tuer Giro, mais comment est-ce qu'ils font bon? Ils peuvent pas en fait, juste pas. Et il a BKB, mais imagine qu'ils veulent tuer le Doom, un mec sans BKB. Je pense qu'ils peuvent pas non plus. Il y a Shiva le Doom. Faut que l'OD tape 36 fois dessus. Oh, ils ont eu Febi. C'est parti de la part de FY. Attention au casque Witch Doctor qui va complètement nullifier FY. Mais j'ai l'impression qu'on a mais absolument pas du tout besoin de lui. La Ward Witch Doctor est très jolie une fois de plus, mais elle ne récupérera aucun kill. Le GG est lâché. La Corée s'incline devant le massacre de Vici Gaming. Reborn qui prend cette game d'une main de maître, qui a pris 4-0 au kill score et une tout 8-27. C'est quand même violent, ouais. Ce qu'ils leur ont mis là, il y a un moment où ils ont dit non, on va juste gagner quoi. Attends, mais il fallait mettre les mains sur le clavier. Ah, mais ouais, ah, bah oui, ça marche mieux. Mais oui, mais bien sûr.